Tous les jours, suivez sur la RTCH Radio Téléconscience Haïtienne, Info à la Minute. Info à la Minute apporte le bilan d'actualité politique, sociale, culturelle et spirituelle afin d'être informé et ceci, bien informé. Nos collaborateurs sont partout. Jacques Mel, Okaï, Cap-Haïtien, Port-de-Paix, dans la capitale et dans toutes les villes provinces. Les actualités dominent, nous y sommes. Nous émettons depuis Orlando, Florida et sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter, Radio Téléconscience Haïtienne ou sur le www.rtchhaiti.com. Ne ratez rien des dernières nouvelles nationales et internationales grâce à notre équipe professionnelle et très dynamique. Faisant des informations leur poids. Info à la minute, c'est tout de suite sur notre station. Deuxième jour de la semaine, mardi 27 septembre 2022, vous suivez sur les antennes de la RTCH Info à la Minute, présenté par Valentin Kerlin. C'est ici notre deuxième sortie pour cette semaine. Nous sommes ravis de vous fournir le bilan d'actualité. Accrochez-vous, on démarre. Sur le plan local, les trois jours de grève annoncés par les associations syndicales de transport dans le Fonds unifié des transports d'Haïti, FUTRA, poursuit son chemin. En effet, ce mardi 27 septembre 2022, la situation est pareille. La circulation est paralysée, que des motards circulent, des ambulances et des voitures de police remarquées dans les différents coins et recoins de la capitale. Les militants continuent d'investir les rues afin de cracher leur ras-le-bol. Des pneus enflammés et des barricades ont été érigés comme si provocateurs. Écoutons l'un des manifestants au micro de nos correspondants. Malgré ces nombreuses turbulences et la colère des manifestants, dans la tribune des Nations Unies, le ministre haïtien des Affaires étrangères, Jean-Victor Généus, ose déclarer que la situation est globalement sous contrôle. Et traitant même les manifestants des cas isolés, le calme est revenu. À l'exception de quelques cas isolés, la situation est globalement sous contrôle et le calme est revenu dans plusieurs parties du pays. C'est l'occasion de féliciter le... La police nationale d'Haïti, PNH, a arrêté le dimanche 25 septembre 2022 au poste avancé de Mona Cabri lors d'un contrôle de routine, deux individus. Ils répondent au nom de Destorel Roselin et Destorel Philomé. Âgés respectivement de 43 et 46 ans, ils avaient en leur possession la somme de 590 500 gourdes. Ces deux individus étaient incapables d'établir la provenance de cette importante somme d'argent, selon la PNH. Attaque armée hier lundi contre le bâtiment logeant le corps d'intervention et de maintien de l'ordre CIMO, une unité d'élite de la police nationale d'Haïti. Des individus lourdement armés, G9 familles et alliés pointés du doigt, ont ouvert le feu sur le bâtiment. Des impacts de balles sont visibles. Plus de peur que de mal, le bilan est propre. En terre étrangère, les Cubains ont approuvé à plus de 66% par référendum un nouveau code de la famille qui légalise le mariage homosexuel. Le oui a recueilli 66,87% des voix contre 33,13% des suffrages pour le non, le plus haut pourcentage jamais atteint lors d'un référendum. Écoutons les réponses adéquates de quelques-uns des votants qui ont dit oui. Deux femmes mariées, cela ne me pose pas de problème. Je suis d'une autre époque, mais cela ne me dérange pas. Je suis globalement d'accord avec ce code de la famille, même si certains aspects me dérangent. Je vais voter pour, mais je ne sais rien du tout du texte. Je ne le comprends pas. Les Cubains devraient tous voter oui parce qu'il a... Cependant, d'autres choisissent le non et pensent que d'autres problèmes plus importants devraient être plutôt résolus que celle-ci. Je suis contre.
Ce code de la famille n'est pas une bonne chose. Il y a beaucoup d'autres sujets autrement plus importants que celui pour lequel on vote. Le manque de nourriture, le fait que les gens aient faim, par exemple. Ce mardi 27 septembre 2022, en début de journée, l'ouragan Ian, classé en catégorie 3 sur 5, échelle de Saffir-Simpson, a touché terre dans l'ouest de Cuba, accompagnant de vents atteignant 185 km par heure. Une annonce qui a été faite par le Centre national des ouragans, NHC, aux États-Unis. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Notre prochain rendez-vous, c'est pour demain. Au revoir et à bientôt.